Pour ça, on sait que on sera toujours dans la difficulté par rapport à ces arbitres. C'est pas de la, je l'ai plusieurs fois répété, c'est pas de la paranoïa. Toutes les dernières dates FIFA nous le prouvent. On a une pression constante de ces arbitres qui passent leur temps à venir dans nos vestiaires, à venir mettre la pression pour rien, venir énerver tout le monde. Vos chaussettes sont mal mises, vos ça sont mal mises. Dès l'entame du match, des choses que peut-être qu'une personne ne voit. Quand il y a des pénaltys aussi évidents, on doit avoir le courage, l'honnêteté, appelons ça comme on veut, de siffler ce qui doit être sifflé. Il y a un tacle d'emblée de match, au bout de la 10e minute, un truc comme ça, les deux pieds en avant, hors du sol, ça donne un carton jaune. Dans la foulée, il y a Rami qui tient un maillot, ça donne un carton jaune. Donc on peut casser un joueur et tenir un maillot, c'est le même résultat. On sait tout ça, on sait tout ça. On n'y peut malheureusement rien. Juste le dire, mais c'est toujours l'Afrique dans ce sens-là. C'est toujours l'Afrique qui est perdante parce que voilà, on perdure dans nos, on a beau expliquer, c'est un gros chantier de la CAF s'ils veulent vraiment travailler là-dessus et s'ils veulent faire que le football africain soit respecté.